Ce sont là les Arabes qui donnent le lo. Et ils ne sont pas du tout disposés à mettre le hola. Ils ont trouvé l'habit idoine pour faire passer le oh, 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 pour en en. Oui, le coq pour un âne. La baya n'est pas seulement une tenue vestimentaire, mais un appel à une toute autre sorte de prière qui rappelle à l'arabe son arabité et qui va jusqu'à battre la mesure pour afficher sa fierté. Pam, pam. Abaya, 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 abaya. Nous voici, nous voilà, nous disent les femmes qui portent l'abaya. Accoutrement plus remarquable que la djellaba, et qui nous dit « Je ne porte que ce que je décide de porter. » Jusqu'à ce que tu te décides à me supporter. Abaya, 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 abaya. Toutes ces femelles aux semelles devant, que les racistes scrutent avec leurs jumelles. Eh bien, c'est avec la France de demain qu'elle se prépare à faire la belle. Et non, ce n'est pas un uniforme religieux, mais un uniforme pro-litigieux, pour te dire « Hé, raciste !» C'est pour te tourner en bourrique que j'existe. Abaya, 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 abaya.